au casting de la saison 2 des Traîtres, dont de nouveaux épisodes seront diffusés ce mercredi 19 juillet 2023 sur M6. Tom Pernot, étudiant à Lille, a dû ruser pour manquer les cours et participer à l'émission. Une opportunité qu'il ne pouvait pas manquer. Les Traîtres, le divertissement événement de M6, inspiré du jeu de rôle et loup-garou, est de retour cet été. Après lancement réussi la semaine passée, 27% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, M6 diffuse ce mercredi 19 juillet 2023 deux numéros inédits de la saison 2 à partir de 21h10. Cette année, 18 personnalités venues d'horizons radicalement différents composent le casting de l'émission présentée par Éric Antoine. Parmi elles, Tom Pernot. Le nom de l'émission n'était pas mentionné. Tom Pernot dévoile ce qui lui a permis de participer au Traître sur M6. Le jeune homme de 19 ans participe à l'aventure avec sa mère Nathalie Marquet Pernot. Mais pour vivre cette expérience unique, le fils de l'ex-présentateur du Trésor de TF1 Jean-Pierre Pernot, qui est actuellement étudiant à Lille, a dû obtenir l'autorisation de son école de commerce. Lors d'un entretien avec Télé Loisirs, ce passionné de sport automobile a expliqué comment il s'y était pris. « J'ai fourni une attestation de M6 à mon école », révèle Tom. Dedans, il était indiqué que je devais participer à un événement associatif, mais le nom de l'émission n'était pas mentionné, précise-t-il. Le petit frère de Lou avait cours à l'époque du tournage, en mars 2023, et n'aurait normalement pas pu s'absenter. Et cela, Tom en avait conscience, j'ai beaucoup joué là-dessus sinon il ne m'aurait pas du tout laissé y aller. Confie-t-il en souriant. J'ai raté des examens, la participation de Tom Pernot au Traître a eu des conséquences sur ses études. Le fils cadet de Nathalie Marquet Pernot a disparu des bancs de son école de commerce pendant plusieurs jours pour intégrer le casting des Traîtres. Mais cette absence a eu des répercussions sur sa scolarité, j'ai raté des examens pendant ces 10 jours de tournage. Ça m'a fait aller directement au rattrapage, notamment pour la comptabilité, admet le jeune homme avant de conclure, j'ai eu des partiels à mon retour et j'aurai les rattrapages en septembre. Son été risque donc d'être plutôt studieux.